toi, BD. Te laisse pas toucher. On va mourir. Très bien. Mais cette créature n'a pas eu autant de chance. Je ne te laisserai pas faire.
de me battre. T'as fait une erreur, Jedi. Aidez, Nassim, lance. C'est le pont qui mène au village. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à nous revoir. Mais il y a sûrement un passage plus discret. Je ne savais pas que c'était là quand j'ai abaissé le pont. Je voulais seulement voir ce qui se passerait, comme toi avec la découpeuse sur Kashyyyk. Hey BD, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, BD? Il a déjà eu trop de morts. Il est trop dangereux. Nous devons le tuer. Non, emmenons-le à frère Viscus. Hey, BD, là-dedans. Ah, il y avait quelque chose là-dedans.
Rien contre nous. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est, Betty? Reviens là! Je tuerai tous nos ennemis.
Hé, BD ! Il récupère ! Venez, mes frères ! Nous te mettrons à genoux ! J'en ai assez d'attendre les instructions de la sœur. Nous devons agir et nous occuper de l'intrus.
Cal, tu as trouvé le tombeau ? Oui, presque, mais j'ai dû faire un petit détour. Grise a l'air bizarre. Il jure avoir aperçu quelqu'un près du Mantis. Datomir lui brouille l'esprit. Ah bon, il est pas toujours comme ça ? Est-ce que ça va ? Je n'ai pas de vision, donc... Oui, je sors d'un village des Frères de la Nuit. J'espère être sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ouais, et puis BD est là. Aide-moi, s'il te plaît. Lance-moi un steam, Billy.
aucune trace du vieil homme. Je me demande si les frères de la nuit l'ont eu. Jedi ! Le Jedi ! Attendez ! Tu ne peux rien contre notre puissance. Un Steam BD. C'est rapide. C'est sûrement le tombeau. Tu veux aller là-dedans. Ok, BD. Qu'est-ce que c'est ? Le Jedi! Bats-toi, espèce de lâche! Frère, soutiens-moi! Il faut en finir! La prier, étranger! Un Steam BD.
Je vais beaucoup mieux. Merci. Aide-moi, BD. Empêchez-le de se soigner. Ah, vas-y. Et pas n'importe comment. À l'aide, BD. Et alors? Passe-toi, espèce de lâche! Ça a l'air si facile. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. T'es un petit curieux, hein? Oui, voyons voir ça. Prêt pour un autre Steam? Et c'est parti. Allez, va jeter un œil. Ah, il y avait quelque chose là-dedans.
T'as quelque chose ? Mon ami, la quête de l'Astrium nous a menés au tombeau de Kuzek. Quoi que ça puisse être, c'est parti. Salut, Cal. On fait la revanche plus tard ? Ouais, avec plaisir. Parfait. Tu pars t'entraîner ? Une seconde. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. T'as l'air bien pressé ? Maître Tapal ? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître. Viens nous rejoindre. Et ne traîne pas. Viens. Avant de t'engager. Concentre-toi. Et si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. C'est mieux, Padawan. Rejoins-moi. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial! Il faut... Maître, est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Va au module de sauvetage, par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné. Tu t'en souviens ? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire ? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris ? Oui, maître. Ils arrivent.
Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Allez, va-t'en! Le voilà, abattez-le! Non, stop! Zapal, prends la fuite! Il nous faut des renforts. Je dois tirer ça pour passer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a le Jedi en visuel. Aucune trace du plus jeune. Fouillez partout. Il ne doit pas être bien loin. L'air s'est encore arrêté. Hey, c'est quoi ce bruit? Monte la garde. Je vais fouiller la zone. On essuie des pertes. Tapal a éliminé plusieurs escouades. Tirez à vue. Bien sûr. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? C'était quoi? Un truc dans les couloirs de maintenance. Je crois que j'approche du turbolift. Il est pas très loin après ça. Je vais y arriver. Il faut pas que je m'arrête. Descends-le! On s'occupe! Padawan, ton sabre laser! Je suis désolé, maître! Continue à grimper. Je te retrouve en haut. Que si tu l'actives. Oui, maître. On est coincé ta balle dans le sas. Envoyez des renforts. Charo, ta balle est de l'autre côté de cette porte. Ouais, mais il passera pas au travers. Ce serait trop long de découper la porte avec son sabre laser. C'est quoi ça? Attention! Vite, Padawan. Nous devons partir. Les commandes de la porte. Cette guerre n'est pas finie, mon Padawan.
Reste à l'écoute. Attends le signal du Conseil Jedi. N'oublie pas, n'accorde ta confiance qu'à la Force. Oui, maître. Padawan, il est l'heure de commencer la leçon. Tu m'as laissé mourir, Padawan. Montre-moi. Tu es faible, tu manques de discipline. Oui, je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse, tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi! Non! Plus rien. C'est cassé. Le cristal s'est brisé. Inutile. M'aider ? Merci. Allons. Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré, et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fus un Jedi, tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cet... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la Force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la Force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai? Quelque chose d'horrible.
d'Atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Mérine, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière! Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entouré de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Idiote ! Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler ! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes ! Démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Une sœur de la nuit. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Wow, wow, wow. Et tu les amènes ici? Capitaine, c'est le moment de décoller. Une sœur de la nuit a survécu. Elle a quelque chose de familier. Raconte-nous, tu as trouvé le tombeau. Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux, et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Cal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé. Quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé
dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Cal, ce ne sera pas facile. Ouais, mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est le temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui. Je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin... Venez ici. Du temps des Jedi. Un passage de ce côté. Je ferai attention à la glace.
grand Jedi a médité ici. Il est revenu sur sa vie passée pour en contempler les aventures et ses épreuves. Pas grand chose à voir, pas vrai? On devrait redescendre. Mon visage est engourdi. Bien joué. Ouais, c'était vraiment beau avant. Cette chaleur fait du bien.
Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force. Avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. Regardons ça. Joli scan, BD.
vaisseau. Voyons ce que t'as trouvé. La chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber, il m'appelle. On n'est plus très loin. Le cristal Kyber choisit son Jedi, et pas l'inverse. Oui, un peu comme toi. Merci, BD. C'est qu'une petite secousse. Ça va aller. Espérons que ça tienne. Son appel s'intensifie. Dépêchons. J'ai l'impression d'être entouré de fantômes. Non. Ça va pas trop. C'est dur d'être ici. Merci, BD. C'est eux. Comment ils nous ont fait? Ouais, t'inquiète pas. Excellent. Qu'est-ce que c'est, BD? Est-ce que tu l'as perdu de vue? Il se dirigeait vers les grottes. Il criait, mais je ne l'ai pas trouvé.
Le voilà. Je peux le voir briller. Ici. Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ça va, BD. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras, comme tu m'as aidé.
mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire? Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Tu as ma confiance, comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. Au revoir, mon ami. Tous tes souvenirs, tu as failli les perdre. Ah. Ouais, moi aussi, je crois en toi, BD. Ça. La pause est finie. D'accord. Je crois qu'il a peur. Il est touché. Chargé. Il est trop vite pour moi.
la tête de la poursuite. Tu n'emporteras pas. Aidez, vite! Par ici! Tu peux pas nous battre! Massacre tout le monde! Essaie d'éviter ça! Reculez, je m'en occupe! Il est mort! J'arrive pas à le toucher! J'y arriverai pas tout seul! On devrait le poursuivre! On te vaincra! C'est pour tous les tuer. Rien de plus simple, pas vrai? Identifiez-vous. Piètre résistance. Demande de maintenance. Détail inférieur. Neutralisation en cours. Le Jedi est mobile. Revenez vous battre. Porte verrouillée, je te présente BD1. Serré, faut pas qu'on traîne ici. Ils ont envahi Illum. Est-ce que ça va? Non, je suis repéré. Et ce n'est pas tout. Ils extraient des cristaux Kyber. Capitaine, prépare-toi au décollage. Aide-moi, BD. Ah.
On est à ses trousses. Victoire de la volonté de l'Empereur. Gloire à l'Empire. J'arrive pas à le suivre. Chargez. Liquidez-le. Il s'affaiblit. Maintenant, BD. Hé, BD. On te suit. Vous êtes en sécurité? On fait profil bas, mais la tempête se dissipe. On aura bientôt plus de couverture. Et si vous masquez... leur cryptage. Je brouille leur transmission, mais ils ne mettront pas longtemps à les rétablir. Ça devrait nous faire gagner du temps. Merci. Il y a des Stormtroopers partout. Illum était notre planète, Cal. Fais-leur passer le message. Appeler des renforts.
tous les destroyers stellaires qui se trouvent dans le secteur vont appliquer. S'ils arrivent ici avant toi. Non, pas question de se faire prendre maintenant. Je serai là. Serré, on a de la compagnie. Gris doit fermer le Mantis. Quoi ? Avec l'Empire à tes trousses ? Ça va pas bien, petit gars ? Fais-le ! D'accord, on ferme le vaisseau. Un Steam BD ! BD, un Steam, lance! Vas-y, entre. J'ai jamais douté de toi.
Tu as réussi. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais terré sur Braca, rêvant d'assaillir Coruscant avec les survivants du Conseil Jedi. Mais au final, l'espoir de l'Ordre repose sur un joueur, un Jedi déchu, et un mauvais Padawan. Une belle bande de ratés. Ouais, ça c'est bien vrai. BD est le seul à être fiable. Il a laissé Cordova effacer sa mémoire pour pouvoir nous guider. Mais tous les deux, vous êtes prêts à tout sacrifier. Pour continuer, même quand ça paraît impossible. L'échec fait partie du voyage. Je le sais maintenant. Je vous remercie. Vous tous. Plus tard, Cal. Désolé. Hé hey, y avait pas une épave gigantesque sur Zepho? Y a peut-être un truc à en tirer. Retour sur Zepho. Tu sais, même avec tout ce que vous me faites vivre, je frissonne toujours devant un bon match. Oh, tant que tu ne retombes pas dans tes travers. Oh ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur. Pas de paris ou de trucs dans le genre. Tu es sûr? Sûr, c'est pour la beauté du sport. Rien de tel que de regarder deux grosses brutes échanger des coups. Cette agilité, cette force brute, yeah. Oh, oh, oh. Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi... primaire. Ah, oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôlement primaire, mais bon... c'est divertissant. Hé, hey, petit gars, assieds-toi, on y est.